Bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous évoquons les souvenirs d'un syndicaliste, mais également d'un ancien militant politique, d'un parti clandestin, mais aussi d'un parti légal. C'est un témoignage palpitant et utile, comme l'a écrit le préfacier de l'ouvrage, Germain Bitiou-Nama. Le titre de l'ouvrage, Enquête de progrès social, avec un sous-titre, Combat des militants, son auteur, Haruna Togiéni. Haruna Togiéni est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Kino. Merci de venir partager le contenu de votre ouvrage avec nous. Vous êtes enseignant de formation et vous êtes aussi fondateur d'établissements privés. Vous avez été l'un des membres fondateurs de l'UNELPL, c'est ça? L'UNELPL, oui. Oui. Enquête de progrès social est un ouvrage témoignage que vous publiez cette année même. Le témoignage de votre parcours d'étudiant révolutionnaire à militant syndical patronal, sans oublier la vie de politiciens, de partis clandestins et de partis légaux, pour reprendre vos propres termes. L'histoire chez vous commence en 1975, il y a exactement 43 ans. Vous arrivez à l'université de Ouagadougou et vous entrez au département physique. Mathématiques. Mathématiques. Mmh. Et vous intégrez également l'AEVO. C'est ça. Actuellement ANEB. À l'époque, c'était AEVO, Association des étudiants voltaïques de Ouagadougou. Vous avez milité au sein de cette association et les choses se sont gâtées trois années plus tard, parce qu'on vous a accusé d'avoir fait une grève et qui a paralysé le fonctionnement de l'université et vous avez été sanctionné. Exclu définitivement de l'université de Ouagadougou en 1979. Évidemment, nous sommes arrivés jeunes étudiants, comme on l'avait dit, inscrits à l'Institut de mathématiques et de physique, IMP. Et à cette époque, évidemment, il y avait une association, l'Association des étudiants voltaïques à Ouagadougou, un syndicat étudiant qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est l'ANEP. Donc l'AEVO est un peu l'ancêtre de l'ANEP. Bien sûr, l'AEVO, comme tout syndicat étudiant, se fait fort de défendre les intérêts des étudiants. Et à notre arrivée à l'université, quelques temps après, il y a eu plusieurs événements qui nous ont marqués et qui m'ont amené, moi particulièrement, à militer dans cette association. En 1976, on a eu des exclusions, expulsions d'étudiants de France, en l'occurrence Traoré Étienne, que tout le monde connaît aujourd'hui. Il est professeur d'université. Professeur d'université, militant politique, et avec un autre qui s'appelait Bachono Gilles. Ils ont été expulsés de France pour avoir participé ou organisé des manifestations dans une cité universitaire qu'on appelait la maison Lucien Paille ou maison d'Afrique. Donc, pour cela, je pense que les autorités universitaires et les autorités françaises ont estimé qu'ils étaient indésirables en France et ils ont donc mis... Indésirables. Oui, je suppose, parce qu'on les a expulsés. Ils sont arrivés chez nous ici à Ouagadougou. Cela nous a beaucoup choqués. Effectivement, l'AEVO a organisé, bien sûr, des manifestations et a sonné l'alerte. Nous sommes sortis, nous avons manifesté. Eh bien, on ne comprenait pas bien pourquoi, effectivement, pour un pays comme le Burkina qui a besoin de cadres, et qu'ils aient été expulsés, mettant ainsi fin à leurs études. Et ça nous a beaucoup marqué. Et l'AEVO qui était aux avant-postes, pour cela, ça m'a amené à vouloir comprendre comment fonctionnait cette organisation. Et parce que, à mon avis, ils ont été, les dirigeants à l'époque ont été à la hauteur. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient à cœur la défense des intérêts des étudiants, et d'une manière générale du Burkina Faso, en fait, de la révolte à l'époque. C'est ça qui m'a amené, avec d'autres circonstances aussi, tout aussi difficiles, à militer dans cette organisation, l'association des étudiants voltaïques à Ouagadougou. Et vous révélez dans le livre que vous avez non seulement été séduit par la formation militante qui s'y mène à l'intérieur de ces groupes, la formation idéologique, cela s'entend. Oui,
Parce que c'est vrai que l'AEVO était un syndicat étudiant, mais c'est aussi un syndicat révolutionnaire, en ce sens qu'il faisait de l'émancipation, de la lutte pour le progrès, n'est-ce pas, du peuple du Burkina Faso. Et comme nous, à l'époque, nous avions, l'AEVO avait une analyse qui consistait à dire que notre pays était une néocolonie. Une néocolonie que nous sommes passés, bien sûr, du stade de la colonie à la néocolonie. Et pour nous, en fait, le colonisateur n'était pas tout à fait parti. C'est sous une forme qui restait toujours, disons, à l'époque, c'est ce qu'on disait. Et donc, l'AEVO, comme certainement d'autres organisations, se faisait fort, bien sûr, de contribuer à libérer totalement notre pays et à en faire un pays relativement, réellement indépendant. Oui, et donc c'était livre, ça. Oui. Vous insistez sur les luttes de l'AEVO. Oui. Finalement, en 1979, vous avez perdu. Bon, peut-être que nous avons été. La lutte a échoué. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas. Nous avions effectivement un certain nombre de préoccupations parce que, en ce moment, nous estimons que le système d'examen mis en place était trop sélectif et ne permettait pas aux étudiants de réussir. Parce que nous pensons que notre pays avait besoin de ces cadres et on disait que, bien sûr, ce que nous appelons en fait les valets de l'impérialisme mettaient tout en œuvre pour retarder au maximum, n'est-ce pas, cette indépendance totale dont nous rêvions et en ne permettant pas la formation des cadres. Et donc, tout le système mis en place, évidemment, avait pour objectif de limiter au maximum la formation des cadres. Donc, nous avions engagé, des luttes, une lutte pour effectivement obtenir de meilleurs systèmes d'examen qui évaluent réellement les compétences des étudiants, mais qui n'avaient pas pour objectif de les empêcher de devenir des cadres. Bon, bien sûr, une lutte, on gagne quelquefois, on peut aussi perdre. Nous n'avons pas réussi à faire changer le système de l'administration. Et le gouvernement ne nous a pas écoutés. Et au final, comme sanction, ils ont décidé de nous exclure. Je parle des dirigeants, parce qu'il y a eu plusieurs sanctions qui ont été prises, des sanctions étagées. Mais ceux qu'on estimait être des leaders du mouvement étudiant ont été exclus de l'université devant nous. Oui, vous avez expliqué dans le livre que ceux qui étaient en première, deuxième année ont été exclus d'office de l'université et réversés dans l'enseignement primaire. Non, c'est-à-dire que... instituteurs. Oui, en fait... Ceux qui étaient en troisième année, année des licences, comme vous, exclus d'office et réversés dans l'enseignement secondaire. Voilà. Donc vous avez été envoyé au CEG de Dori comme enseignant de physique chimie. C'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, l'université était composée de plusieurs écoles à l'époque. Il y avait l'École supérieure des sciences économiques, il y avait l'École de droit, il y avait l'Institut de mathématiques, il y avait d'autres écoles, il y avait plusieurs instituts. Alors donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit des étudiants qui étaient à l'Institut de mathématiques et sciences physiques, à l'IMP. Alors, ce sont eux qui avaient effectivement signé des engagements pour être enseignants. Ceux d'entre eux qui avaient été jugés comme étant des leaders ou en tout cas qui ont participé de manière active, ce sont eux qui ont été sanctionnés de cette façon, par tous les étudiants évidemment de première à deuxième année. Certains, ceux qu'on avait estimés être des leaders. Ceux qui étaient en première année et en deuxième année ont été affectés, ont été comme instituteurs dans les écoles primaires. Nous qui étions en année de licence, nous avions été affectés, c'est-à-dire exclus et affectés comme enseignants dans les CEG. Et vous avez, comme un peu du fatalisme, accepté le sort. Et non, parce que quand même, il faut dire que nous avions lutté pendant plusieurs mois. Maintenant, nous, on est évidemment au bout du rouleau peut-être, parce que non seulement nous n'avons pas réussi à faire changer le système d'examen, et nous n'avons pas donc réussi à ce que le gouvernement et les responsables reviennent sur le système d'asile et mettre en place un système beaucoup plus adéquat. Et nous avons évidemment été exclus. Bon, on n'avait peut-être plus les possibilités de faire quoi que ce soit. Oui, Haruna Togiyeni, ce qui est intéressant sur cette partie,
Vous finissez par cette conclusion que si la jeunesse d'un pays est une jeunesse mouton, alors l'avenir d'un tel pays est sombre. Absolument. C'est finalement la conclusion à laquelle vous arrivez, non, malgré que, quelque part, la lutte n'a pas abouti. Ce que je dis, c'est en direction des autorités. C'est-à-dire que j'estime que nous avions fait preuve de beaucoup de dynamisme, beaucoup de combativité. C'est de ça qu'un pays a besoin, une jeunesse qui croit. Une jeunesse qui se bat pour faire changer le pays, pour faire évoluer le pays. Lorsqu'une jeunesse est une jeunesse qui accepte tout, qui n'y réagit pas, ce pays n'est pas en mesure de faire évoluer la société. Les mutations nécessaires ne peuvent pas avoir lieu. Parce que ceux qui sont porteurs, n'est-ce pas, de changement, ceux qui ont envie de tout ça, c'est la jeunesse. Et qui n'acceptent pas tout. Un pays a besoin d'une jeunesse active, une jeunesse qui se bat, qui veut changer le monde, qui veut avoir un monde meilleur et qui se met debout pour cela. Et je pense que d'ailleurs au Burkina Faso, notre jeunesse a toujours été de cette trempe-là. Oui, on va peut-être passer à ces aventures et mésaventures que vous avez vécues avec le voyage pour aller à Dori. Oui. À l'époque, la voie de Dori n'était pas bitumée. Ah, oh là là. Et c'est vous avez vraiment bougé à 9 heures pour arriver à 17 heures. Absolument. Par là. Oui. Et avec tous les péripéties de la route qu'on a pu voir. Mais et quand vous êtes arrivé, ce qui est intéressant dans votre livre, en 1979, vous avez été affecté au CEG de Dori et pour enseigner la physique chimie. Oui. Et quand vous êtes arrivé, c'était vraiment la vie dure, c'était pas la joie. Oui, j'ai dit que, bon, nous avons été affectés, on nous a donné des notes d'affectation. Moi, j'ai eu ma note qui me disait, bon, vous devez aller au CEG de Dori. Et on n'avait pas les ressources n'avaient pas été mises à notre disposition. Nous sommes arrivés, je suis arrivé à Dori. Eh bien, sans ressources, sans rien, puisque nous venons de quitter le mouvement étudiant, on venait d'être exclus. Et comme vous savez, une administration, ça met un peu de temps pour mettre en place tout le système et puis, prendre tous les textes réglementaires et mettre en place tout le processus de paiement des salaires. Et donc, nous sommes arrivés pratiquement sans rien, mais on était obligés d'y être là. Et ça ne nous a pas empêchés de nous battre. Il a fallu la solidarité des camarades, oui, pour que vous, bon, puissiez. Il fallait ça. Il fallait aussi, on a eu la solidarité, nous sommes des camarades, mais aussi des personnes qui nous ont accueillis à Dori. Parce qu'il a fallu que, en y allant, j'avais un camarade qui m'a dit, bon, écoute, j'ai ma famille là-bas. Et cette famille m'a accepté, m'a logé, m'a donné à manger. Et au niveau de l'école, bien sûr, le directeur aussi qui était là nous donnait quelques subsides pour nous permettre de tenir. Donc, de novembre jusqu'en mars-avril, nous sommes restés ainsi avec des sommes dérisoires, mais nous tenons bon. Oui, vous racontez une scène qui nous a choqués en tant qu'électeur dans le livre. Quand vous êtes venu à Ouagadougou pour poursuivre vos dossiers de premier salaire, oui. Dans le même temps, on fait un communiqué à la radio pour dire que vous avez abandonné, oui, votre poste. C'est choquant, c'est, oui, à la limite injuste. Oui, c'était très injuste. C'est très injuste. Et ça, je dis, bon, peut-être qu'avec le recul du temps, j'essaie de comprendre un peu mon directeur à l'époque. C'est vrai qu'étudiant sénégaliste, nous étions un peu trop remuants pour lui. Nous l'avons contrecarré à certains moments dans des décisions qu'il voulait prendre. Je pense que c'était peut-être une sorte de réaction à cette façon de faire que nous avons fait. Et bon, peut-être. Bon, mais en tout cas. Avec un certain recul, vous dites aujourd'hui que vous essayez de comprendre. J'essaie de comprendre. Mais à l'époque, je ne l'avais pas accepté. Donc, entre 1979 et 1988, vous avez été militant syndical, mais travailleur. Oui. Et vous avez aussi milité pour un parti clandestin, le PCRV. Oui, j'ai été militant du PCRV. Je l'ai expliqué dans le livre. Eh bien, ce que vous savez. Le PCRV est parti politique où on n'y entre pas parce qu'on veut
Mais on y entre par cooptation, ah, vous oui, l'avez oui. expliqué dans... Dans le jus, c'est un parti communiste, hein, vous savez, un parti communiste, on ne fait pas une demande pour entrer. Et on ne vient pas, il n'y a pas un siège quelque part où vous venez pour dire, bon, je vais être militant. C'est un parti qui coopte effectivement, qui regarde les personnes les plus... ceux qui en tout cas répondent à leurs caractéristiques, et vous contactent, vous disent, bon, écoutez, est-ce que vous voulez faire partie de notre organisation? Et moi, quand ils m'ont contacté pour me dire, bon, effectivement, on a jugé que vous êtes capable d'être militant de ce parti, bon, moi, j'étais très bien content, hein. J'étais très heureux, très fier même, parce qu'à l'époque, on était évidemment dans la lutte politique, dans la lutte syndicale. C'était et que un j'ai honneur été, pour vous. Oui, que j'ai été choisi parmi plusieurs de mes camarades pour faire partie de ce parti. Bon, évidemment, j'étais très, très content, très, très fier. Bon, évidemment, et j'avais pris, comme j'ai dit dans mon livre, en même temps, en acceptant d'être dans cette organisation, je prenais aussi beaucoup d'engagement, toujours me battre. Pour le Burkina Faso, pour la révolte, pour le peuple du Burkina Faso, ces masses populaires qu'il faut évidemment travailler à les libérer du néocolonialisme et autres. Ça, c'était ce que je disais à l'époque, c'est ce à quoi je croyais. Oui. Et dans le PCRV, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on fait dans le PCRV? Mais comme tout parti politique, c'est un parti qui s'organise pour prendre le pouvoir. C'était ça. Mais la particularité, vous êtes clandestin. Ah oui, c'est un parti clandestin. Évidemment, parce que vous imaginez bien qu'un parti politique qui dit qu'il veut mettre à terre, qui veut renverser le système politique actuel pour construire un autre système politique, n'est pas un parti qui est bien vu par les tenants du pouvoir en ce moment. Donc, c'est personnes qui disent de manière très claire, nous voulons renverser le système pour mettre en action, eh bien, on sont certainement recherchés et combattus. Donc, pour pouvoir continuer à faire le travail, évidemment, ils se mettent dans la clandestinité. C'est ça aussi un parti qui fait vœu de bouleverser la société. Oui, mais aujourd'hui, le Bukparga, qui est le bulletin du parti, se vend de petits pains à la Bourse du Travail, à Ouagadougou oui. et un peu partout. Oui. Et ils ne sont pas si clandestins que ça. Ah ça, je n'en sais rien. Moi, ce dont je parle, c'est il y a quelques années de cela. Hein. Alors, je ne sais pas. Vous avez toujours des contacts avec ce parti? Ah, non. Moi, je me suis. J'ai quitté le parti. J'ai cessé tout lien avec le parti il y a quelques années déjà de cela. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. Hein. Et vous ne savez pas non plus si vos anciens camarades y sont toujours? Ah non, pas du tout. Parce que ça fait quand même un bout de temps. Mais cela vous a valu quand même des emmerdes à Dori. Ah oui. Vous avez été embastillé pour embastillé, cela. J'ai été accusé d'avoir ventilé les tracts du parti. J'ai effectivement, je le reconnais dans le livre, c'est ce qui était mon devoir de le faire, de propager les idées du parti à travers les documents qu'il était. Malheureusement, j'ai été appréhendé et mis au commissariat de police dans le violon. J'ai passé quelques jours, à longueur de journée, interrogé pour me faire avouer plein de choses, pour finir effectivement transféré à Ouagadougou, toujours, et puis embastillé à la maison d'arrêt de correction à la Bamako, et bien où je raconte un peu tout ce qu'on avait vu à l'intérieur là-bas. Oui. Et bien c'était ça. Oui, et le PCRV, parti clandestin, on va peut-être insister sur un aspect. Jusqu'à aujourd'hui, ils le sont, puisque vous ne trouverez personne officiellement, peut-être oui. à part vous, oui. qui va dire je suis du PCRV. Alors, moi, vous étiez du PCRV. J'étais du PCRV. C'est après avoir quitté le PCRV Absolument. Que vous révélez que vous étiez du PCRV. Ah, oui. Et aujourd'hui, oui. il n'y en a pas beaucoup qui ont ce courage. Ah oui, c'est possible. Mais je ne pense pas que ça soit un courage. Bon, moi, j'estime que. J'ai mené une vie, j'ai envie de dire aux gens, bon, ceci, mais je reste toujours dans une logique qui consiste à ne pas mettre en danger ou révéler quoi que ce soit qui concerne les choses. Et de toute façon, il y a de cela plusieurs années, donc je ne sais plus très bien comment ça va se passer, je ne peux même pas dire quoi que ce soit qui concerne le parti. Donc ce que je dis, ça date de très longtemps. Mais de toute façon, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie.
Je pense que sans chercher à mettre qui que ce soit en porte-à-faux avec ses convictions, j'ai dit ce que j'ai vécu. Et cette stratégie du PCRV d'être clandestin et de vouloir prendre de conquérir le pouvoir, est-ce que pour vous c'est une stratégie payante? Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Ça, je n'en sais rien. Ça ne jette pas l'opprobre, la suspicion sur ces militants? Ça, je ne peux rien vous dire là-dessus. Hein. De toute façon, je pense que chacun est responsable de ses actes et de ses paroles. Moi, je ne peux pas me faire l'avocat ou celui qui combat ce parti. Moi, je dis simplement à un moment donné, j'y étais, et je ne suis plus, et c'est tout. Et avec la mort du communisme aujourd'hui, est-ce que c'est d'actualité? Qu'un parti comme ça puisse dire, je suis PCRV, je suis clandestin, c'est comme si c'était un événement. Vous savez, en tout cas, si je regarde à travers le monde, je suppose qu'il ne doit pas être le seul parti communiste. Il doit y avoir dans tous les pays, même en France, il y a des partis qui se réclament du communisme. Et même dans plusieurs autres pays, bon, ça veut dire que... Mais c'est des partis qui sont en perte de vitesse. C'est possible, c'est possible. En tout cas, c'est possible. De militants de partis clandestins, vous vous êtes révélé au grand jour militant d'un parti légal. Absolument. Comme vous l'écrivez dans le journal, parlez-nous-en de cette parenthèse. Oui. Effectivement, moi, bien sûr, après avoir rompu mes relations avec le PCRV, et j'ai fait une analyse de la situation. Je suis un militant, quelqu'un qui croit qu'il faut effectivement contribuer, n'est-ce pas, au développement, au progrès de notre pays. Et l'une des voies pour contribuer au développement, au progrès, à la croissance de notre pays, c'est aussi de militer dans un parti. Un parti qui a aussi pour objectif, n'est-ce pas, de contribuer à ce progrès-là. Donc, moi, je regardais au moment des printemps des partis politiques, autour des années 89, lorsque le Front populaire avec Blaise Compaoré s'est lancé dans une ouverture. Évidemment, et avec d'autres camarades, nous avons décidé de créer un parti politique. Et ce parti politique que nous avons créé était d'une obédience social-démocrate. Et donc, c'était l'Union des sociodémocrates, UDS, en ce moment-là. Donc j'ai milité et j'avais occupé le poste de secrétaire général. Donc vous voyez bien, c'était un peu loin. Et l'expérience de parti légal à parti clandestin ou de parti clandestin à parti légal, qu'est-ce que cela vous a laissé? Vous savez, chaque épisode de la vie de quelqu'un vous marque et vous en tirez toujours des leçons. Je crois que le fait d'avoir milité dans un parti, comme vous le dites, clandestin, d'avoir milité dans les organisations syndicales, c'est toujours formateur, on tire toujours des leçons. Et donc ces leçons que moi, ces leçons-là apprises, et les leçons apprises dans un parti illégal, je pense que ça a contribué évidemment à... Ça m'a permis, n'est-ce pas, de réussir et de mener d'autres actions. Je crois que c'est ça. En tout cas, je suis pas mécontent. Moi, d'avoir milité dans toutes ces organisations, dans ces partis politiques-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours actif en politique? Mais pas dans un parti politique. Je suis militant d'aucun parti politique, mais je suis toujours dans des groupements, dans des organisations qui aussi ont des objectifs qui consistent à travailler et à un progrès social. Je suis dans les organisations syndicales patronales. Non, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Donc, même n'étant pas dans un parti politique, je pense que mes ambitions, ma vision qui consiste à être toujours, n'est-ce pas, militant, toujours avec d'autres personnes pour contribuer, n'est-ce pas, à l'avancée du Burkina Faso. Moi, je suis toujours preneur. Et vous dites, vous êtes, après toute cette vie de syndicaliste, d'étudiant révolutionnaire, de PCRviste, de politicien, vous avez créé le syndicat patronal, un peu comme une sorte de trahison, si on s'en tient un peu à vos convictions.
Vous savez, donc, bon, je vais rectifier un peu. Je n'ai pas l'UNEPEL, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. En fait, c'est une continuation d'un ancien syndicat qu'on appelait SINEPEL, le syndicat des établissements d'enseignement libre, qui a été créé dans les années 1974. Et moi, je suis arrivé à la tête du SINEPEL en 2004. Évidemment, avec d'autres camarades qui étaient membres de cette organisation, nous avons évidemment transformé le SINEPEL qui est devenu maintenant UNEPEL, Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. Donc l'UNEPEL n'a pas été créée comme ça, c'est une progression, n'est-ce pas? C'est une mutation en quelque sorte du SINEPEL. Mais si on s'en tient aux prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce n'était pas le cas pour vous en allant. Oui, mais vous savez... Vous n'étiez plus prolétaire. Non, mais en réalité, comme vous le savez, bon, je suis aujourd'hui un patron entre griffes, c'est-à-dire que j'ai une entreprise, mais je ne pense pas que le fait d'avoir une entreprise puisse être opposé à la conviction que vous avez de contribuer à faire avancer la société, à faire de telle sorte qu'il y a beaucoup plus de justice sociale, beaucoup plus d'équité dans nos sociétés. Moi, c'est une conviction qui est à moi. Voilà. Oui. Haruna Togiyeni, dans le livre, vous parlez de vos camarades. Oui. Soit à visage découvert. Oui. Ou peut-être entre les lignes, on comprend. Mais est-ce que vous ne craignez pas, vous ne courez pas le risque de vous exposer, de vous mettre à dos vos camarades, vos anciens camarades? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, parce qu'en réalité, je pense que je n'ai rien révélé qui ne soit du domaine public, que tout le monde a vu. Ce que j'ai dit, ça me concerne, ça ne concerne pas les autres. Évidemment, comme vous l'avez dit dans le bouquin, il y a quelques fois, j'ai mis en sombre certains noms lorsque ça me paraissait ne pas être tout à fait bien ou qui pouvait prêter à confusion. Il y a des parties qui ne sont pas tout à fait en clair. Mais pour le reste, lorsque c'est du domaine public, je l'ai mis en clair. Et la leçon générale de ce livre, c'est la quête d'un monde meilleur. Oui. C'est vous aussi votre combat. Absolument. Je reste toujours dans cette logique-là. Je suis dans cette logique qui consiste à dire il faut continuer. Je pense que les êtres humains... C'est que nous n'avons pas le droit de nous refermer sur nous-mêmes, ne penser qu'à nous-mêmes, à nous seulement. Et nous avons le en tout cas, sans que être vivant dans une société, c'est le devoir de chaque personne de faire tout son possible pour que, effectivement, la société là soit beaucoup plus équitable, meilleure. Et il faut y mettre, n'est-ce pas, du sien, sa combativité, sa fougue, sa foi. Et moi, je suis dans ça. Merci d'être venu partager le contenu de votre témoignage avec nous, vos souvenirs. Merci. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci d'être venu. Merci bien, M. Kinou. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.